Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite séance de méditation ensemble aujourd'hui. On va prendre ces quelques instants eh bien pour honorer la saison qui vient de s'écouler, la saison de l'été, et venir accueillir cette saison qui arrive de l'automne, donc avec l'équinoxe d'automne. Pour ce faire, je vous invite à vraiment vous installer dans un endroit bien confortable, n'hésitez pas à prendre un petit coussin et à vous mettre vraiment à l'aise. L'idée, c'est simplement d'accueillir en fait cet espace de changement, parce que quand on change de saison, évidemment, c'est synonyme de changement à plein de niveaux et donc aussi à l'intérieur de soi. Donc on va vraiment prendre le temps quelque part de le vivre en pleine présence, en pleine conscience, pour vivre cela de la plus belle manière qui soit, c'est-à-dire de manière présente, de manière à se connecter aux opportunités et à la richesse, à la beauté finalement de ce changement et de ce nouveau départ. Donc venez vous installer bien confortablement. Venez relâcher les mains, les bras, comme c'est confortable pour vous. Relâchez l'espace de vos épaules. Et à tout instant, si la posture devient inconfortable, n'hésitez pas à l'ajuster, à la modifier un petit peu. Vous pouvez garder les yeux ouverts avec le regard posé vers le bas ou fermer les yeux quand vous vous sentez à l'aise. On va simplement débuter en prenant une longue inspire par le nez et en se laissant expirer par la bouche. Longue inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Longue inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et à votre rythme, reprenez doucement la respiration par le nez. Laissez-vous arriver dans cet instant, dans votre corps, là maintenant. Observez et accueillez globalement comment vous vous sentez aujourd'hui. Accueillez tout ce qui est présent, tout ce qui vous traverse, sans chercher à le modifier. Commencez à connecter à votre souffle. Ramenez votre attention vers vos inspires et vos expires. On est dans cet instant de changement, avec ces zones de confort et d'inconfort. Ces zones de connu et d'inconnu. Respirez ici en ressentant peut-être ces différentes énergies, à la fois encore des énergies qui appartiennent à la saison de l'été. Quelles qu'étaient les énergies présentes pour vous cet été, vous pouvez encore les ressentir, qui sont encore fraîches, peut-être en vous. Et à la fois ressentir que quelque chose de différent, de nouveau, commence à se dessiner, commence à s'initier. Et peut-être que dans ce changement, on a à la fois une résistance, parce que tout changement amène son lot de résistance et peut-être de peur, et à la fois une forme de curiosité, d'enthousiasme, de réjouissance peut-être, sentiment de pouvoir ouvrir quelque chose de neuf, de pouvoir avancer.
continuez de respirer à votre rythme ici. Ramenez toute votre présence dans votre corps en laissant le poids du bassin se déposer, le poids des jambes, des pieds, le poids des mains, des bras, des épaules. Et le sommet de la tête qui s'étire naturellement vers le ciel. On va prendre un moment ici pour exprimer, ressentir une forme de gratitude pour ces dernières semaines, ces derniers mois, pour ce qu'on a vécu, que ce soit des choses joyeuses ou moins joyeuses. On a vécu quelque chose, on a grandi, on a appris, on a exploré, aimé, expérimenté. Et pour tout cela, on peut se remercier et remercier la vie, y compris pour peut-être les choses moins agréables ou confortables. Et une fois qu'on a pleinement remercié cette saison qui touche à sa fin actuellement, remercier le chemin parcouru et la personne qu'on a été et qu'on est devenu, on prend un petit moment pour revenir pleinement dans cet instant présent, là où on peut ressentir pleinement les cadeaux de ce qu'on a exploré, ressentir à quel point on est enrichi, à quel point on n'est plus tout à fait la même personne qu'il y a quelques semaines, quelques mois, au début de l'été. Continuez de respirer bien profondément. Et dans cet instant, on va s'autoriser à lâcher prise, à relâcher, d'ores et déjà à recevoir l'enseignement, la sagesse de la saison automnale qui nous enseigne le lâcher prise, qui nous apprend à dire au revoir, à relâcher les attachements, les impatiences, qui nous apprend que toute fin est nécessaire afin de vivre des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Qui nous apprend que les espaces vides sont nécessaires afin de pouvoir accueillir des nouvelles choses, relations, opportunités. Identifiez, observez s'il y a en vous des éléments présentement qui ont besoin et qui sont prêts à être relâchés, sur lesquels vous désirez lâcher prise, pour lesquels vous vous en remettez à l'univers, à la vie, comme la nature s'en remet au cycle de la vie, encore et encore. Prenez une longue inspiration. Laissez-vous expirer par le nez ou par la bouche tout ce dont vous n'avez plus besoin là maintenant. Inspirez profondément. Expirez pour relâcher tout ce à quoi vous vous agrippez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez toute peur,
Inspirez profondément. Expirez en vous connectant à la vie, à la nature, à votre destinée, à ce qui vient à vous naturellement. Et puis on prend encore quelques instants ici pour ressentir que dans cet espace inconnu, dans cet espace peut-être vide à certains moments, à certains endroits, c'est là que se trouvent toutes les opportunités. C'est là que se trouve le champ infini de possibilités. Et c'est dès l'instant où on relâche, dès l'instant où on ose dire au revoir et relâcher ce qui appartient au passé, qu'instantanément on connecte déjà à cette nouvelle histoire, à ce nouveau chapitre, à ce nouveau départ. Prenez ce moment pour ressentir cela, ressentir la magie, les opportunités, la beauté qui vous reste à vivre encore. Sans avoir besoin de la forcer, juste en étant dans cette confiance que tout arrive au bon moment et que chaque phase est nécessaire, chaque étape a un sens. Laissez-vous honorer pleinement cette étape sur votre chemin. Et en douceur, à son rythme, on viendra réouvrir les yeux. Prendre un instant pour se remercier. Main devant l'espace du cœur. Je vous souhaite une très belle nouvelle saison, un très beau changement. Et d'accueillir tout ce qui vient et de relâcher tout ce qui s'en va. Je vous embrasse bien fort. Namaste.